avec Big Orange. Big Orange, big passion, big émotion. Bonsoir à tous et bienvenue pour de nouvelles aventures. Cette fois, nous sommes venus dans un lieu magique et mythique à la fois, l'île de Pâques. Et puis, si jamais un jour vous devez vous rendre en voyage et venir visiter cette île, venez-y début février puisqu'il y a une fête qui s'appelle le Tapati. Ça dure à peu près 10 jours. C'est l'équivalent du Haïva à Tahiti et c'est à cette occasion d'ailleurs que nous sommes venus pour retrouver nos amis dans leur costume traditionnel. Alors, il y a des chants, il y a des danses, il y a bien sûr l'élection de la Miss locale. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très joli à voir. Vous avez également derrière nous, et je crois que ça, c'est un spectacle, j'irais. Extraordinaire, les Moai, qui n'a pas rêvé de venir ici rendre une visite à nos amis Pascouins et surtout venir voir ces Moai. Dans quelques instants, quelqu'un qui les connaît bien puisqu'il y a tourné un clip, c'est un artiste que vous aimez beaucoup, qui est très apprécié également à l'île de Pâques, Angelo. C'est également la magie de la télévision, regardez de la nuit, nous passons au jour et nous sommes sur un site complètement fabuleux, c'est le site d'Anakena, regardez la plage comme elle est belle, elle est vraiment très très belle. Alors ce qu'il faut savoir quand même sur l'île de Pâques, c'est que c'est un site classé culturellement et mondialement, donc protégé, tout ce que vous voulez, l'île de Pâques, on n'y touche plus, on n'y construira pas d'hôtel, tout au moins pas sur ce genre de site. Alors par contre, puisque l'on parle de construction, il y a un bateau qui est juste là et lui qui va être mis à l'eau d'ici normalement la fin du mois de mars, début avril. Ils espèrent aller en Polynésie dans un premier temps, à Tahiti, et ensuite aller jusqu'au Japon. Alors, je ne sais pas s'ils réussiront, on espère. Hein. On leur souhaite bonne chance. Tu connais un peu l'histoire de cette plage, non? Cette plage-là, c'est la plage où le roi Hutumatu est arrivé avec son peuple qui s'est installé ici. Il a bon goût, hein? C'est vrai qu'on a vraiment envie d'y installer dans c'est ce site. C'est paradisiaque. On parle de ton album Live, Angelo. C'est un album qui a été enregistré où ça? Alika. D'accord. Et ce sont des extraits de concerts que tu as réalisés un peu partout en Polynésie? Oui, à Papeete, dans les districts Ahiti, à Travaux, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de sortir un album live? C'est un peu rare ici, je dirais même que ce n'est pas courant du tout. C'était pour se faire plaisir entre nous, moi et les musiciens. Mm-hmm. On a voulu sortir cet album-là, on verra ce que ça va donner. Bah, c'est une bonne idée. Ça t'inspire rien de lorsque tu vois tous ces Moai, ça t'inspire pas du tout une chanson? Puisque tu es un écrivain avant tout. C'est vrai que c'est une culture différente. Ça inspire peut-être plutôt les Pascons. Mais pour moi, le Moai Taputapu, ça m'inspire. Bah, disons que tu te sens un peu plus proche quand même de la grande Polynésie, celle que tu connais, que de celle-ci. Quoi. Ouais. D'accord. On va voir tout de suite un extrait de ce nouveau laser. L'idée qu'elle est bonne. Profitez du site, regardez comme c'est beau. Tamaiti
Un extrait du nouvel album live d'Angelo. Alors, nous allons parler un peu du site de Tongariki, parce qu'on profite, n'est-ce pas, on est en vacances. L'aventure continue. C'est important de savoir qu'en 1964, il y a eu un raz-de-marée ici à l'île de Pâques. Alors, tous les Moaes ont été couchés. Et la rénovation de ce site n'a pu se réaliser qu'en 1992, grâce à un mécène japonais, une personne qui a offert de l'argent, donc, pour remettre de l'ordre, on pourrait dire, sur les marais et puis sur les Moaes. Donc, ils ont été redressés et tout ce site a été réaménagé en fin 95, on peut dire, donc ça a pris 3 années. Est-ce que toi tu souhaites, puisqu'on va continuer à parler de musique après la visite, n'est-ce pas, sur ce site fabuleux, est-ce que tu souhaites, comme Barthélémy le disait, reprendre une ou deux chansons Pascuan? Oui, j'ai dit à un Pascuan qui s'appelle Uko d'écrire les paroles sur l'arrivée du roi Potumatua ici à l'île de Pâques. Ben, j'attends les paroles qu'il me l'amène. D'accord. Je vais mettre la musique dedans. Mais c'est super. Ouais. C'est un beau cadeau que vous allez leur faire, d'autant plus que vous avez reçu un accueil, j'irais plus que chaleureux, lors des différents concerts réalisés ici. Nous, on l'a vu. Des images, vous en avez vu dans Tiki Clip et vous en verrez d'autres. Tu étais déjà venu, toi, à l'île de Pâques. Tu avais chanté déjà? Oui, l'année dernière. Je suis venu pour le tapotique qu'il y avait l'année dernière. Oui, c'était bien. J'ai chanté. J'ai tourné même un clip là aussi, sur ce site-là. Le clip à Rio, il a été tourné là. Que l'on ne manquera pas de voir dans Tiki Clip. Et puis, puisque l'on parlait de ton compère il y a quelques instants, Barthélémy, on va le retrouver tout de suite côté musique, là. J'ai vécu bien longtemps sans espoir et le soleil ne brillait plus pour moi. J'entendis une voix dans le noir, même dire et confiance, je suis là. J'ai vécu bien longtemps sans espoir, et le soleil ne brillait plus pour moi. J'entendis une voix dans le noir, même dire et confiance, je suis là. Il est ma raison de
sans lui ma vie serait sans joie, car il est tout pour moi. Il est ma raison de vivre, toujours je me le file. Sans lui ma vie serait sans joie, car il est tout pour moi. Avec la sortie du nouvel album de Doriel, 14 chansons inédites sur le thème de l'amour et de l'amitié, à consommer sans modération. Le CD de l'orchestre Mahana fait lui aussi sa sortie cette semaine. Les quatre copains Harris, Terry, Dolo et Eddie vous feront danser jusqu'au petit matin. Et bien sûr, l'événement, c'est le grand retour d'Esther Tefana en duo avec Patrick Noble pour de toutes nouvelles chansons s'inspirant des chants qui ont marqué son enfance. Un répertoire exceptionnel pour une chanteuse pleine de talent. Tiki Clip avec Big Orange. Big Orange, Big Passion, Big Émotion. Ils viennent tout juste de rentrer en studio. C'est le groupe Fenua qui enregistre plus d'une douzaine de titres pour le prochain album dont la sortie est prévue pour la fin de l'année. Yeah.
On se trouve sur la carrière où étaient réalisés à l'époque les Mohai. C'est un des plus grands sites archéologiques du monde. C'est vraiment immense. C'est un champ où vous trouvez donc ce genre de bébêtes. Et puis vous avez le site de Tongariki qui se trouve juste à côté, donc au bord de la mer. On va parler du jeu, ouais. Puisqu'il y a des cadeaux. Dans quelques instants, on fera un tirage de cartes postales ensemble. Et tout de suite, je vous propose que l'on voit les cadeaux que l'on va gagner ce soir. C'est parti. Les cadeaux Tiki Clip. Cette semaine, avec pour le premier gagnant 10 litres de Big Orange et 10 litres de Big Passion. Il vient de sortir le CD d'Angelo Live pour le deuxième gagnant. Le troisième gagnant, quant à lui, pourra rêver avec Mana Rapa Nui, mélange de la musique d'aujourd'hui et des sons ancestraux de l'île de Pâques. En quatrième position, île de Pâques, terre de mystère. Bien, Angelo, nous allons procéder au fameux tirage des cartes postales. Oui. En direct depuis Moai City. Allez, je te propose de tirer tout de suite le premier gagnant, donc pour le premier cadeau dans l'ordre. C'est parti. C'est pour Aveo Nile, qui habite à Montréal. Et voilà, donc elle a gagné le premier cadeau. On rappelle son nom. Aveo Nile, qui habite Montréal. C'est parti pour le deuxième. Une autre carte postale. Voilà. Proust Isabelle, qui habite à Arouet. D'accord, donc ça c'est pour le deuxième cadeau. Je prends dans l'ordre. Vas-y, c'est parti. Voilà, l'autre carte postale, ouais, il y en a quatre. Cholet Arsène qui habite à Arouet aussi. D'accord. Je prends bien dans le tas parce que tout le monde va dire, ah, tiens, il peut y aller dessus. C'est des petits malins. Non, non. Non, 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 non. Nauta Efaraima qui habite à Paya. Nauta Efaraima de Paya qui a gagné donc le quatrième cadeau dans l'ordre. Bah, si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission comme les autres. Panier typiquement local, hein. Ouais. Made in Île de Pâques. Pas Squan. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission, évidemment vous nous envoyez une petite carte. Hein. L'adresse va s'inscrire sur vos écrans, là. Si vous souhaitez participer à l'émission Tiki Clip, envoyez-nous une carte postale à Tiki Clip RFO Tahiti, boîte postale 125 Pape Été, avec vos noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone. Bonne chance à tous. Vous avez bien noté l'adresse, maintenant il suffit tout simplement d'envoyer une carte postale. Alors, ces maisons qui se trouvent juste à côté de moi, c'est une des particularités de l'île. L'histoire veut, mais enfin elle n'est pas réelle, réelle, puisqu'il y a encore des gens qui la contestent. Il paraîtrait que ce soit des poulaillers, vous voyez d'ailleurs les entrées donc de ces maisons en pierre. Ça a peut-être un rapport d'ailleurs avec l'histoire qu'on va vous raconter dans quelques instants avec Angelo. Mais juste avant cela, je vous propose que l'on regarde un petit clip. Bye.
Super. On va raconter quand même l'histoire de ce site, Angelo. C'est un site particulier. Alors derrière nous, il y a un volcan. Ouais. En face, là-bas, on va le montrer tout à l'heure, il y a un petit motu. Et il y a une histoire. Il y a une histoire Motunui, oui. Il y a une histoire particulière d'ailleurs sur ce site. Vas-y, tu vas nous la raconter si tu la connais bien en plus. C'est ici que se jouait le chef de l'île. Celui qui allait sur l'île ramasser l'œuf de l'oiseau et qui ramenait le plus vite sur terre était désigné roi de l'île. Ça s'appelle le site de l'homme-oiseau, ce qu'ils appellent en passe-pont Tanga Tamanu. Voilà. Avec l'accent du cru et tout, super. On parle musique maintenant. Bon, il y a cet album, donc le live. Je suppose que tu vas réaliser d'autres concerts durant l'année 97. Oui, des concerts en Nouvelle-Calédonie aussi, pareil. D'après ce qu'on m'a dit mon producteur. Des concerts dans les îles, à Taha, à Réater. Un peu partout. Tu l'avais déjà fait, je crois, la tournée dans les îles. Ouais, je vais en refaire encore. D'accord, et puis il y a un album en préparation, puisque le live, c'était quand même des morceaux que tu avais déjà réalisés. Ouais. Tu réécris en ce moment? J'ai un peu fini en ce moment, mais ça va venir. L'île de Pâques va t'ouvrir l'esprit, tu vas voir. Avant de se quitter, Angelo, je te propose que l'on regarde un extrait d'un laser qui s'appelle Mana Rapa Nui. Ça ressemble étrangement à ce qu'avait fait Guy Lorenz avec les noix, tu vois, sur le Pacifique, à part que les gens qui l'ont réalisé, ce laser, ils ont vraiment pris des sons un peu partout, tu vois, au Tibet et tout, et notamment ici à l'île de Pâques. Tout à fait, et donc les images que vous allez voir ont été réalisées par Philippe Sintès et Fabrice Navarro, mes deux petits camarades de classe, qui sont là d'ailleurs, que je remercie, avec qui je travaille déjà depuis pas mal de temps, n'est-ce pas, hein? Et donc c'est très joli, c'est très beau, et vous allez voir, la musique est très belle, ça s'appelle Voyage.
Angelo, il me reste à te souhaiter de passer une excellente fin de soirée. Beaucoup, beaucoup de choses pour l'année 97, les années à venir pour tes albums futurs. Merci. On va remercier au passage Lalan Chile qui nous a convoyé jusqu'à l'île de Pâques, le maire de l'île de Pâques qui nous a beaucoup aidé dans nos démarches administratives, également le ministère de l'Agriculture pour les autorisations parce qu'il en faut pour aller sur les sites, notamment réaliser le clip que vous venez voir, Manara Panoui. Et puis Colette Cristino qui nous a beaucoup aidé, merci Colette. Colette qui est originaire des Marquises, qui habite maintenant l'île de Pâques. Et avec toute sa petite famille, et Colette donc nous a beaucoup aidé. Et puis on va remercier qui? T'as quelqu'un à remercier aussi? Ouais, le pisco. Deux glaçons et un peu de coca. Et puis les astros aussi, d'accord, si tu veux. Excellente fin de soirée à tous, on se retrouve dans deux semaines. Allez, ciao. Big Orange, Big Passion, Big Émotion.